Bonsoir tout le monde, me voici pour une nouvelle vidéo. Je vais traiter ce soir d'une situation qui me préoccupe beaucoup, à savoir toutes les dernières déclarations qui ont été faites par notre président concernant son soutien militaire au pays qui affronte actuellement la Russie, à savoir l'Ukraine. Alors j'ai hésité longuement avant de produire cette vidéo, pour la bonne et simple raison que je me renseigne énormément sur l'actualité et notamment sur les conséquences que peuvent avoir certains sujets quand on veut les traiter. Donc il faut réfléchir bien avant de produire. Je vais donc essayer d'être la plus neutre possible, mais en même temps d'apporter des informations constructives. Et bien entendu, je vais faire ceci à l'aide de mes cartes pour pouvoir vous apporter quelques précisions. Alors, je tourne cette vidéo un soir où des orages sont annoncés dans ma région. J'espère que vous n'entendrez pas trop de bruit parasite. Je suis un petit peu obligée de laisser entre-ouvert parce qu'il fait vraiment très très chaud ce soir chez moi. Alors, j'espère que cela ne portera pas préjudice à la qualité de mon tirage. Comme je le disais, ce sujet est un sujet sensible et je sais que certaines personnes du gouvernement très haut placé regardent quand même certaines vidéos sur YouTube et plusieurs voyantes ont été mises en accusation par Brigitte. C'est-à-dire qu'elles ont vu leur chaîne au début, je crois, sauter et puis elles ont été convoquées afin de rendre compte des informations qu'elles avaient émise lors d'un tirage concernant l'identité de la femme du président. Donc je vais être très vigilante lorsque je pense à ces personnes-là. Mais je tiens quand même à découvrir ce qu'on nous cache au niveau de cette situation militaire très compliquée. Pour ce faire, je vais utiliser dans un premier temps mon ressenti en utilisant simplement, je vous prie de m'excuser, les cartes du grand étaient là. Ce jeu donc, qui possède plusieurs caractéristiques, il est également appelé le tarot égyptien. Donc, il y a plusieurs symboliques dans ce jeu, je l'ai déjà utilisé pour d'autres affaires. Et là, on va essayer de poser la question suivante. Donc, la question sera quel est l'objectif de ce soutien militaire que nous apportons à l'Ukraine ? Quel est le véritable objectif de ce soutien militaire? Alors, Ukraine 2023, président. Première carte. Ainsi, nous apprenons les rentrées d'argent. Bien évidemment, l'armement est un budget phénoménal et bien entendu, la vente d'armes rapporte beaucoup d'argent. Il y avait un film avec Nicolas Cage à ce sujet, je ne sais plus comment il s'appelait, qui était pas mal fait du tout sur le trafic d'armes. Si vous avez son nom, vous pouvez le mettre en commentaire. Je crois que c'est un film assez ancien qui doit dater des années 2000 sur le trafic d'armes, je crois, entre les États-Unis et un pays du Moyen-Orient. Je crois. Allez. Donc, qu'est-ce qui se passe là pour l'instant entre nous, c'est-à-dire entre la France et l'Ukraine? Des chagrins. Le 2 d'épée. Alors, on nous indique ici, donc avec cette carte, et des ennuis. Je vous rappelle que le président Poutine a quand même un peu durci son dialogue en disant que si nous envoyons ce supplément d'armes, nous serions considérés comme potentiellement
cible d'attaque. Donc quand je dis nous, c'est la France, mais c'est surtout l'Europe. Mais la France qui continue de triompher et de parler un peu à tort et à travers, est particulièrement citée. Donc j'ai pas encore vérifié toutes les sources de ce discours, mais bon, je l'ai vu apparaître dans plusieurs réseaux. Alors aujourd'hui, donc voilà, donc là on a la carte du décès. Les relations entre la France et on est sur une carte d'affection, l'affection pour quelqu'un, une carte d'obstruction, donc quelque chose qui ferait obstruction peut-être à la justice, qui aurait peut-être des contrats entre eux qu'on ne connaît pas. On nous fait part ici de démarches. Ici, on nous fait part d'une femme corrompue. De la prospérité. De l'indécision. Et donc, je vais tirer une carte pour avoir une tendance à la coupe. Une relation qui serait guidée par la manière d'être. Effectivement, quand on regarde un petit peu ce jeu concernant les relations entre la France et l'Ukraine pour cette partie militarisée. Donc, on nous dit tout de suite qu'il s'agit en fait d'une notion d'argent, que nous allons apprendre de bonnes nouvelles, que l'argent va pouvoir rentrer dans le foyer. Ce qui signifie aussi un bonheur assez durable et sans nuages. Donc, je pense qu'au préalable à cette guerre, des relations internationales avec ce pays étaient plutôt positives depuis longtemps. Finalement, on nous annonce du chagrin. Donc, ce chagrin est représenté par le 2 de bâton, une carte qui donne un peu l'impression d'être éloignée de quelqu'un à qui on tient. Donc là, je l'avais trouvée aussi dans un autre tirage, cette carte, et ça signifie vraiment partir, c'est mourir un peu. Donc, on se rend compte que finalement, le soutien militaire qui est apporté sur place est aussi source de décès. Et on a entendu de nombreuses personnes revenir des fronts en disant que cette guerre était vraiment terrible, évidemment. Alors, la carte des ennuis, ici, c'est le 4 de coupe. Les ennuis, donc, seraient causés par une carte, une relation, en fait, une relation qui est endommagée, quelque chose qui... une trahison. Donc, les fondements de la relation sont mauvais. On est parti sur de mauvaises bases, sur quelque chose qui aurait été un peu falsifié. Par la mort, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, c'est vrai que c'est la faucheuse, comme on dit, ça peut prévoir effectivement le décès. Mais surtout, ici, on nous parle peut-être de ne pas céder à la désespérance et de ne pas commettre d'imprudence au sujet de ce litige. Il va falloir quand même que nos dirigeants fassent attention à leur manière de communiquer. C'est très important. Et cela se confirme par la suite avec la carte de l'affection. Excusez-moi. Donc la carte ici, c'est un valet. Donc habituellement, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et on demande donc dans cette carte d'accepter un soutien qui viendrait. Donc le soutien peut être en interne entre la France et l'Ukraine, effectivement. Mais par contre, cette carte souvent est influencée par la carte qui suit. Et la carte qui suit ici, c'est la carte de l'obstruction. Donc ça serait quelque chose qu'on nous cacherait volontairement. Du coup, cette affection ne serait pas portée, évidemment, comme je le disais tout à l'heure, ni sur des bonnes bases, ni finalement, même dans le réel, aujourd'hui, sur je dirais, des vérités absolues. Tout est basé sur de l'illusion. Avec le 4 d'écu, donc pour l'obstruction,
On nous apprend que quelqu'un fait obstruction donc au projet et opposition. Donc là, on a un complément d'information sur la carte précédente. On vient apprendre ici qu'on devrait accepter une aide, mais malgré tout, attention d'être très vigilant parce que cette aide n'est pas vraiment sincère. Encore une fois, on fait opposition à nos projets en acceptant cette aide. Est-ce que le soutien militaire des États-Unis là-dedans ne nous porterait pas préjudice? C'est une question, bien entendu. Et les avis bien tranchés de M. Biden au sujet de ce qui peut se passer sont toujours un peu polémiques. Par la suite, nous arrivons sur la carte des démarches. La carte des démarches qui représente donc le 6DB, pardon. Et ici, c'est vraiment des démarches qui sont liées à l'étranger. Donc, des démarches qui apportent quelque chose d'un point de vue administrative, apport à une tierce personne. On est sur vraiment quelque chose qui apporte dans l'obscurité son bénéfice. Donc, des voyages qui sont faits par intérêt, clairement, hein, pour résumer un peu la situation. On voit donc que l'argent et le pouvoir dominent dans ce tirage et que cette relation est basée sur de mauvaises décisions. La papesse renversée donc indique une femme corrompue. Ça pourrait être quelqu'un qui fait partie également d'autres pays et qui pourrait représenter certains pays européens. Pourquoi pas? Éventuellement, je vous laisse penser à une certaine italienne, pourquoi pas. La femme corrompue pourrait aussi présenter, pourquoi pas, notre première ministre qui communique beaucoup avec la France. On pourrait nous parler aussi de quelqu'un qui. Alors, ce serait plutôt quelqu'un peut-être qui chercherait voilà, à mentir, à induire en erreur, à duper. Donc, corrompue, mais aussi manipulatrice et qui sait jouer de ses atouts, de ses charmes. Ou peut-être de ces belles paroles. Se méfier vraiment d'une femme, là comme ça ne me vient pas, mais peut-être que ça vous parlera à vous. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça m'intéresse beaucoup. Par la suite, on apprend une carte de prospérité. Donc cette carte, c'est vraiment une carte qu'on sort beaucoup au niveau de ce qui est réception, colloque, mondanité, voilà, on peut résumer ainsi. Il y a un accord qui a été signé en vue de la France qui sera profitable. Donc on nous cache des choses et il y a une négociation dont on n'a pas entendu parler qui sera profitable soit à une personne en particulier, soit à plusieurs en France. Je ne pense pas que ça nous sera profitable à nous, bien clairement, j'en doute. Alors je sais peut-être que si on vendait ces contrats militaires, ça serait quelque chose qui pourrait rapporter de l'argent. Or, je crois qu'aujourd'hui, on fournit gratuitement. Il me semble que le gouvernement n'a pas été consulté, si je ne m'abuse. Et donc, c'est une décision un peu unilatérale qui a été faite ce jour ou hier, je ne sais plus. Donc, enfin, nous arrivons sur la carte du 7 de bâton qui indique des pourparlers, une indécision par rapport à beaucoup de discussions. Donc, on voit que la France et l'Ukraine ne sont pas toujours d'accord ici et que finalement. Il y a eu beaucoup de prestige entre eux, des relations vraiment où on s'est congratulé, on a été content de se féliciter les uns les autres, d'être du bon côté de la force. Alors oui, ça représente complètement, je pense, la relation qu'entretient notre président avec le président ukrainien. Et malgré tout, il y a une indécision parce qu'il est bien au courant que le peuple n'est pas forcément d'accord avec lui, même s'il ne consulte que rarement son avis, et que cela pourrait avoir des conséquences. Et donc la dernière carte, celle qui a servi pour la coupe. Ici, donc cette carte, en fait, souvent, c'est une situation de privation. On se prive de quelque chose. Mais à l'envers, elle invite à éviter des pièges qui sont tendus. Malheureusement, je pense que les décisions qui sont prises aujourd'hui risquent de nous porter lourdement préjudice dans un futur plus ou moins lointain. Il va falloir vraiment être très attentif, très attentif aux mots utilisés dans les futures déclarations que nous allons entendre dans les médias. Essayez de trouver des sources d'informations qui vous parlent, qui vous plaisent, qui vous paraissent toujours un peu plus libres les unes que les autres. Je ne suis pas là pour faire de la propagande pour quelques chaînes que ce soit. Vous êtes tous assez grands et assez grandes pour trouver vos sources à vous.
Mais apprendre à réfléchir par soi-même au-delà de ce qu'on veut parfois nous présenter, c'est toujours très intéressant. Je vais essayer de compléter ce jeu avec un dernier tirage qui va peut-être nous indiquer plus de choses concernant la volonté suprême. Alors, il y a plusieurs questions qui me viennent en tête. La position du président turc concernant l'entrée de la Suède dans l'OTAN, avec bien entendu les répercussions que cela pourrait avoir. Ça vaudrait le coup d'étudier quelle est sa véritable volonté et son véritable but. Je m'intéresse aussi beaucoup à la question de la personnalité du président ukrainien qui m'intrigue particulièrement. Je pense que je lui dédierai carrément un tirage dans une prochaine vidéo parce que j'imagine avoir moins de difficultés déjà à interpréter sa personnalité à lui pour pouvoir ne pas être striké sur YouTube. Et puis, je pense que c'est quelqu'un qu'on a présenté comme une superstar pendant un temps, un ancien acteur, quelqu'un de positif, mais méfiance, quand on nous montre les choses de manière trop belle, parfois il se peut qu'on nous berne. Je vais tirer quelques cartes du tarot de la lumière pour terminer avec ce sujet, afin que la vidéo ne soit pas trop longue. La carte est tombée d'elle-même. Donc c'est la 5, la carte du 5 de denier. Donc ce qu'on peut en apprendre. Oui, elle est tombée pour moi à l'envers. Je vous l'ai mise à l'endroit et puis c'est plus facile aussi pour moi d'interpréter ainsi. Donc cette carte représente une échelle pleine d'embûches. On peut constater ici qu'il y a des ronces sur le côté et le cœur qui est au-dessus, donc un objectif. On peut apprendre ici, puisque c'est arrivé à l'envers, qu'on va quand même avoir une amélioration de la situation, avec plus de soutien financier peut-être envers le peuple et surtout envers le peuple ukrainien. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce qui se passe vraiment en coulisses entre la France et l'Ukraine? Donc, le soleil renversé. La carte de la justice. Le 10 de bâton. Le 7 de denier. Le valet de denier. La carte finale qui arrive est donc la carte d'épée retournée. Donc ce tirage indique vraiment des relations troubles, hein. Des relations vraiment qu'on nous a présentées sous un angle qui ne correspond pas vraiment à la réalité. Je suis vraiment désolée de vous annoncer ça, mais je préfère être honnête avec vous. C'est pas du tout mon point de vue que je vous donne à travers ce jeu, je le rappelle. Pour moi, en fait, on a manqué d'humilité dans cette situation et on a été vraiment très égocentriques, les uns et les autres. Donc il y a vraiment une notion d'ego à travers ce qui se passe aujourd'hui. On est tombé malheureusement sur deux personnes qui ont un ego vraiment très important. Par la suite, on nous apprend avec la carte de la justice. Qu'on va savoir plus de choses, on va avoir accès à de l'équité. Mais par contre, il y aura des conséquences avant d'arriver à cette équité, puisqu'on voit que le 10 de bâton arrive pour compléter celle-ci, et que le 10 de bâton est un fardeau, un épuisement physique, mental, et puis beaucoup de stress également.
Donc, avant d'obtenir de la justice, nous avons passé par une période très compliquée, due à ces relations, entre nos deux pays. Après, nous avons donc le 7 de denier qui correspond à une colombe ici avec plusieurs symboles. Le 7 de denier qui indique qu'il va falloir faire preuve de patience et d'endurance. Nous allons pouvoir finir par récolter les fruits de quelque chose, mais ça va prendre beaucoup de temps. On est aussi confié ici avec le valet de denier qui arrive sur de nouveaux projets, lui qui nous indique qu'il y aura des opportunités nouvelles qui vont sortir de cette crise. Donc c'est quand même un peu rassurant à ce niveau-là. Il va falloir du temps, hein. On n'est pas du tout dans un... Là, je mise peut-être sur l'an prochain au plus tôt. Enfin, avec le 2 d'épée à l'envers, nous sommes sur une libération, quelque chose, un positionnement différent et quelque chose qui va être décidé. Alors, je vais voir si c'est positif ou négatif. J'ai besoin d'une carte en plus. Le roi de bâton. Donc là, on est encore sur une situation qui nous parle de guide, de leadership, quelqu'un qui a vraiment le dessus, qui est déterminé, voilà, une personne très très déterminée pour atteindre ses objectifs. Et complémentaire ou non avec ceux de la société. Et bien sûr, donc qui indique que cette personne va potentiellement arriver à se positionner enfin dans le bon sens. Encore une dernière carte, cavalier de coupe. Je sais que je dis tout le temps que c'est la dernière, mais c'est vrai qu'on a toujours envie d'avoir un maximum d'informations, de pouvoir vous donner le plus de précisions. Et donc pour moi, donc ce valet, oh, cavalier de coupe qui arrive à l'endroit, c'est la quête d'un idéal. Donc là, on est vraiment sur quelqu'un qui est coupé de la réalité, qui devrait agir dans un intérêt quelconque, mais qui ne pense qu'à son idéal à lui. Donc on est face à deux personnes égocentriques. Je vous en dirai sûrement plus lors d'un autre tirage concernant donc le président ukrainien. Et pour aujourd'hui, je vais vous souhaiter de passer malgré tout une bonne journée, de continuer à toujours être dans la quête de la vérité et de ne pas vous laisser impressionner par tout ce qu'on peut entendre ci et là. Respectons bien entendu la volonté qui est au-dessus de nous, laissons faire des choses, essayons de rester solidaires. C'est la seule façon, je pense, de pouvoir lutter contre ce qui se passe aujourd'hui. C'est qu'à notre petite mesure, chacun, les uns avec les autres, nous restions solidaires et que nous cessions de nous affronter entre nous pour pouvoir lutter contre ces forces qui sont vraiment mauvaises et vraiment à notre encontre, à nous tous. Allez, sur ces dernières paroles, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.